il faut que chaque paysan, il vienne ici, il choisisse les variétés qui lui plaisent d'abord, puis ensuite il les essaye chez lui, il les met dans sa terre, dans son climat, et il voit ce que ça fait. Voilà pourquoi il faut faire une plateforme, essayer de faire une plateforme chez soi, mais pas à cette dimension-ci, mais une petite plateforme. Il faut commencer comme ça. Une variété peut nous plaire quand on choisit ici, mais ensuite il faut les mettre dans son jardin ou dans son champ pour les essayer, mais en petite quantité. Il vaut mieux en avoir, par exemple, plutôt que d'avoir deux ou trois variétés qui nous plaisent, il vaut mieux en avoir, je ne sais pas, peut-être une petite dizaine, hein, et celles qui nous plaisent, celles qui nous plaisent moins bien, savoir si ça va aller dans la terre. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par les petites quantités, voilà. Petite quantité, ce que j'entends petite quantité, c'est un mètre carré, quoi. Pas la peine d'aller plus loin, il faut faire ça assez facilement. Le minimum, c'est déjà un mètre carré, hein, voilà. On ne peut pas faire moins. Maintenant, dans ce qui nous plaît, là, il faut augmenter tout de suite après, si vous voulez, parce que sur un mètre carré, on ne peut pas voir. Là, on le voit, il faut au moins un minimum commencer à agrandir la surface, c'est 5 mètres carrés, voire 10 mètres carrés, ou voire 20, mais enfin, ce qu'il faut, c'est après que pour pouvoir la récolter aussi. C'est-à-dire que tant un mètre carré ou encore 10 mètres carrés, vous pouvez récolter facilement à la main. Il faut quand même que ça soit accessible pour pouvoir le faire. Celui qui essaye, il n'est pas équipé. Nous, on a un équipement, mais il ne va pas s'équiper d'une moissonneuse-batteuse pour faire ce qu'il fait. Donc, il faut qu'il récolte à la main au départ. C'est pourquoi il faut qu'il puisse le maîtriser. Il ne faut pas demander de trop. On fait attention aussi à laisser un mètre d'écart entre chaque parcelle. Ce sera plus facile déjà pour passer entre les parcelles et puis observer ses blés. Mais aussi et surtout, souvent c'est des blés qui sont sensibles à l'averse. Et du coup, il faut laisser un minimum d'espace entre chaque parcelle si on ne veut pas qu'une fois qu'il y a une variété qui verse, elle entraîne l'autre dans sa chute. Et en plus de ça, du coup, si elle verse, les variétés vont se mélanger. Ce sera difficile de moissonner et de garder des variétés pures en fait. Il faut savoir que si nous on ne sait pas choisir les bons blés, les oiseaux, ils n'ont pas perdu le sens du goût. C'est-à-dire que ces variétés-là, vous les mettez toutes seules dans votre jardin, il faut savoir, ça c'est clair, les oiseaux, ils viennent tout de suite, ils vont vous les dévorer. Hein. Alors c'est pour ça, ce qu'on fait, c'est on fait un entourage, on fait du blé qu'ils aiment, qu'ils aillent dévorer celui-là, le manger de manière à préserver les variétés qu'on veut préserver. Alors s'il leur faut, aux oiseaux, pour qu'ils les mangent, je vais vous dire, ce n'est pas des variétés à barbe, parce que les barbes les gênent quand ils les mangent, c'est des variétés sans barbe qu'il faut mettre. Et puis là, on peut indiquer les variétés que les oiseaux aiment bien pour pouvoir protéger ce qu'on veut protéger. Voilà. Mais malgré tout, si on est obligé de ne pas attendre de couper quand le blé est vraiment mûr, comme on le fauche à la moissonneuse-batteuse, parce que les oiseaux, ils peuvent y venir quand même. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on coupe en gerbe et on laisse mûrir en gerbe. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai connu la moisson avec les gerbes, avant la moissonneuse-batteuse, et en gerbe, on coupait le blé avant qu'il ne soit mûr. Pour faire un plan, ça ne vient pas comme ça, vous voyez, moi je me suis appris à le faire. J'ai quelqu'un, quand on a commencé il y a bientôt 20 ans, quelqu'un qui a travaillé à la chambre d'agriculture, qui m'a dit, bon ben, je sais faire. Il est venu me montrer, moi qui ai semé du blé toute ma vie, je ne savais pas faire un plan. Et là, ben, il faut aller voir ce qui se fait chez les autres, et puis il faut aller en enseignement, voilà. Il y a tout un ordre à faire. Faire un plan, il y a un côté pédagogique, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est uniquement pour soi ou si on veut enseigner un petit peu dans son entourage. Quel est l'objectif qu'on veut faire sur la petite plateforme qu'on a chez soi? Est-ce que c'est vraiment pour soi? Mais ça peut être d'abord pour soi, bien sûr, pour sa ferme, mais il faut savoir aussi qu'il faut voir en faire profiter et puis le faire savoir à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire aux consommateurs, parce que si on fait du blé, ce n'est pas pour faire du blé, c'est pour faire du pain. Donc il faut faire désirer ça, il faut faire désirer ce qu'on fait, ce n'est pas d'imposer ou quoi que ce soit, non. On a quelque chose vraiment à découvrir dans la nature qu'on a perdu, on a perdu la connaissance, qu'est-ce que vous voulez. Et ça, il faut qu'on fasse découvrir ça. Alors c'est à chacun de le faire, bon, une plateforme comme ici, bien sûr, mais à chacun de le faire chez soi, hein, il faut occuper le terrain. Voilà, moi je dis, il faut occuper le terrain. Voilà.